La question sera débattue le mardi 28 à 6 heures. Député de Parry Sound-Muskoka, le 20 mars plutôt. J'aimerais féliciter l'initiative dans ma circonscription pour les santé mentale. L'Association canadienne de la santé mentale a ouvert une clinique après les heures à Parry Sound. La clinique est financée en partie par un club de golf au Ridge Club. J'aimerais remercier l'équipe du Ridge pour leur dévouement envers cette cause. Les personnes qui subissent des problèmes de santé mentale font face à des longues listes d'attente. Cette clinique va aider de nombreux commettants. Selon des recherches, des séances de counseling d'une heure peuvent être très efficaces. Cette clinique peut les aider à établir des liens avec les services dont ils ont besoin. Cette clinique n'est ouverte qu'un soir par semaine. Il y a donc un nombre très limité. Ce genre de clinique ne doit pas se fier à des dons pour offrir ces services essentiels. Je suis fière que le Parti conservateur ait reconnu que la santé mentale est aussi importante que la santé physique et leur investissement dans la santé mentale. Je vais défendre cette cause. J'espère que la nouvelle ministre de la Santé va envisager le financement de ce projet important. Ainsi, cette clinique peut être ouverte plus qu'un soir par semaine. Ce sont des individus qui ont travaillé très fort pour faire de cette clinique une réalité concrète. Député d'Oshawa, 8 mars est la Journée internationale des femmes. J'espère que vous allez pouvoir vous rendre à des événements pour célébrer les femmes et les filles dans leur communauté. J'aimerais souligner une campagne dans la région de Durham par le Conseil de coordination de la violence. Ce centre est composé de 32 organismes qui s'engagent à faire face à la question de violence. Cet organisme soutient les femmes et veut faire des changements lorsqu'il est question de la violence. Suite aux présentations, j'aimerais vous partager certaines réalités. Dans la région de Durham, la police répond à 21 appels de violence conjugale par jour. 25 % des cas de crimes violents sont des problèmes de violence conjugale. Au 6 jours, une femme est tuée par son partenaire. Les quatre refuges aident 624 femmes et enfants depuis la dernière année. Il est difficile d'imaginer que ces refuges ont refusé plus de 1 000 femmes car elles étaient à surcapacité. Le Centre canadien pour les alternatives des politiques a effectué une étude qui confirme que la région de Durham est la dernière ville pour la prévention, pour la sécurité des femmes. Il faut travailler en partenariat avec les communautés pour changer les statistiques. Il faut se joindre à la campagne MoClic, devenez un champion, faites partie de la solution, appuyez cette campagne ainsi que tous les appels pour mettre fin à la violence contre les femmes. L'amour ne devrait pas faire mal. Je vais donc me servir de ma voix pour lutter contre la violence contre les femmes. D'autres déclarations? Député de Mississauga Brampton Sud. Monsieur le Président, j'aimerais vous parler du Nouvel An chinois. J'ai eu l'honneur de participer au professionnel chinois de Mississauga, qui est le banquet du Nouvel An la semaine dernière. Cette année, c'est l'année du chien. Le chien est honnête, loyal, amical et intelligent. Les chiens sont responsables. Merci Rudy Young, ainsi que toute l'équipe de ce centre d'avoir eu un événement aussi formidable dans ma circonscription. Tous les produits de cet événement se sont rendus à un centre pour les soins gériatriques dans ma belle circonscription. Ying Hong est un centre de soins de longue durée et est un organisme à but non lucratif destiné aux personnes âgées. Depuis 1994, Ying Hong sert environ 15 000 individus dans la grande région de Toronto. On y offre plusieurs services, y compris des programmes pour les aînés actifs, la gestion des maladies chroniques ainsi que d'autres activités. J'aimerais souhaiter bonne chance à toutes les personnes qui ont célébré la nouvelle année lunaire. Merci, Monsieur le Président. Député de Durham-Bruce, d'autres déclarations, je suis heureuse de vous parler de l'encan et j'ai le plaisir de vous parler des
produits. Il y avait une chaise haute pour poupées, des certificats cadeaux et plus de 900 objets ont été envoyés en camp grâce aux dons généreux de la communauté. Et cette année, nous avons établi un nouveau record. Notre camp a obtenu un don record de dons. Et ce qui fut une collecte de fonds incroyable. Ces fonds seront utilisés pour soutenir les arénas extérieures et les événements communautaires. De plus, l'argent sera utilisé pour soutenir la fibrose cystique du Canada et différents projets du Canada, appuyés par des clubs dans le Canada. Et on lutte contre la fibrose cystique depuis 50 ans et on a fait une collecte de plus de 45 000 $ pour la fibrose kystique. J'aimerais reconnaître les bénévoles, leaders dans la communauté et toutes les personnes qui ont acheté un objet à l'encan, au 27e encan de Goderich, ainsi que les bénévoles dans les 500 clubs dans tout le pays. Le travail que vous faites est formidable et nous vous remercions. Merci. D'autres déclarations des députés. Député de Welland. Merci, M. le Président. Je dévoue ma déclaration à un homme de 81 ans, un ancien ami et commettant, dont le nom est de George Raddick. George est retraité. Il vit sur un régime de retraite à Anchor Point, à Sainte-Catherine. Il a reçu un avis dans son édifice à location. Il a eu une augmentation de 7,4 % bien au-delà de la limite de 1,8 % ce qui représente plus de 500 $ par mois. Mon bureau a communiqué avec les instances de réglementation, mais on nous a dit que Anchor Point n'est pas une maison de retraite, car cette maison n'offre pas deux des 13 critères exigés, ce qui signifie que cette maison est dans une zone grise. Les propriétaires peuvent donc avoir toute la liberté d'augmenter les loyers, mais après deux heures d'avoir essayé de les appeler, on a renoncé au nom de George et d'autres personnes âgées dans ce comté qui tombent entre les maillons du filet. Est-ce que les ministres, la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, la ministre du Logement, veuillez examiner ce projet de loi pour protéger les personnes âgées vulnérables tels que George Raddick dans cette province? Merci. D'autres déclarations des députés? Député de Davenport. Le 8 mars, ce sera la Journée internationale des femmes. Depuis 1914, cette journée importante a été célébrée, a célébré les femmes dans le monde. Pour rendre hommage à cette occasion, j'aurai un événement dans une galerie d'art demain à 7 heures. Nous aurons des pièces d'art de plusieurs femmes des écoles d'art de Toronto et d'organisations merveilleuses dans ma circonscription de Davenport. Nous allons exposer des poteries de du studio Inspirations qui a appuyé de nombreuses femmes touchées par le traumatisme et les problèmes de santé mentale ainsi que l'itinérance dans ma circonscription et dans toute l'Ontario. Cette entreprise aide les femmes à faire de la poterie pour qu'elles puissent gagner un peu d'argent. Une membre m'a dit, j'ai vraiment mérité ce que j'ai fait, je suis heureuse maintenant, je n'ai jamais été sans abri, j'ai maintenant de l'inspiration, ce qui m'a sauvé la vie. En 2016, le programme a perdu son financement et risquait de fermer, mais grâce à un engagement et 84 000 $ de financement grâce à des dons privés, la Ville de Toronto et les amis du studio Inspiration. Et grâce à d'autres organismes, ce studio a obtenu les fonds nécessaires pour poursuivre son fonctionnement en 2017. La journée d'ouverture de vernissage va reconnaître formellement 7 chefs de file dans ma collectivité de Davenport. J'aimerais énumérer les 7, Fuan Nguyen, Judy Mason, Lourdes Fuentes, Mariela Soto, Marie Oko, Angela Michado et Alisa Vianga, qui sont récipiendaires de ces prix. Félicitations à toutes ces femmes. D'autres déclarations des députés? Député de Leeds-Grenville, merci. Je prends la parole au nom des résidents de Grenville-Nord qui vont examiner le budget de près.
pour l'élargissement de la route 40. Le gouvernement est peut-être étonné de l'apprendre, mais les régions rurales et les petites villes ont des besoins en matière d'infrastructures. C'est vraiment très clair sur la route 40 entre Campbell et l'autoroute 416. Je suis fière de la façon dont le maire David Gordon et son équipe ont travaillé pour faire en sorte que North Granville soit une des communautés les plus florissantes. Pourtant, cet épanouissement exige d'avoir un partenariat avec le gouvernement dans cette infrastructure. Pendant des années, les municipalités à Leeds et Granville ont identifié l'élargissement à quatre voies comme étant leur priorité. Et pendant des années, les budgets provinciaux n'avaient pas de financement pour ce montant de ce projet de 30 millions de dollars dans cette infrastructure. Honnêtement, la municipalité en a marre d'attendre. 18 500 voitures se rendent sur cette autoroute. Il y a de la congestion. C'est vraiment un problème de sécurité publique pour les conducteurs et les piétons. Mais vous savez quoi? Tous les efforts ont déjà été faits. Ce projet est prêt. Il est temps pour que le ministre des Finances donne le feu vert à l'expansion de la route 40. D'autres déclarations, député de Ottawa-Sud, merci beaucoup. Le mois de mars, c'est la journée de la lipidémie au Canada et dans le monde. J'aimerais reconnaître la communauté de la lipidémie le 6 mars. C'est la journée mondiale de la lipidémie qui aide à sensibiliser la question de cette maladie chronique. C'est une accumulation de fluides lymphatiques à protéines élevées qui enflent tout le corps, dont le cou et le thorax. C'est un état chronique qui peut être hérité ou qu'on peut attraper à travers des traitements de cancer ou une infection. Cela touche la question de la fonction de la mobilité, cause des douleurs et peut vraiment faire souffrir la victime. De nombreuses personnes qui souffrent le font en silence. La lipidémie n'est pas bien connue. L'hyperlipidémie n'est pas bien connue, mais malheureusement, les personnes diagnostiquées sont marginalisées dans la société à cause de leur handicap et ces personnes qui vivent avec cette maladie chronique vivent des répercussions financières, émotionnelles et ainsi de suite. Merci à mon commettant d'avoir parlé de l'hyperlipidémie et de m'avoir partagé son expérience personnelle. Et merci à cette personne pour son militantisme au nom de cette communauté. Merci aux aidants naturels et aux membres de la famille pour tout votre travail pour aider les personnes qui ont été diagnostiquées de cette maladie. Merci beaucoup. D'autres déclarations, député de Stormont, Dundas, Glengarry. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître le décès d'un champion dans la région rurale de l'Ontario, dans ma circonscription. Un ancien député et ministre de l'Agriculture et pour les affaires francophones est décédé mercredi dernier. Nobel est né à Moose Creek. Il a commencé l'agriculture avant d'avoir été élu en 1983. Nobel comprenait les problèmes auxquels faisaient face les agriculteurs. J'ai rencontré Noble en 1986 et j'ai vu son dévouement et tous les efforts qu'il a apportés au travail. Il est venu rencontrer les commettants et il a été vraiment. Il n'a pas dû rester très longtemps car il avait une autre conférence. Il a aidé les agriculteurs qui ont fait face à des prix faibles dans les matières premières et des taux élevés en intérêt. Il s'est occupé des affaires francophones également. Son intégrité va nous manquer. Il était vraiment un modèle sur la façon d'agir. Noble était un homme de famille dévoué. Toutes nos condoléances à sa femme Eileen et toute sa famille. Merci. Merci à tous les députés.